Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une ouverture de collaboration. Donc, c'est Hyundai Saving qui m'a contacté pour me demander de refaire un partenariat avec eux. Alors, j'avais déjà fait des partenariats en Diamond Painting. Honnêtement, ça s'est toujours très bien passé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais même une fois, il me manquait un lot de pierres dans mon tableau, l'un des premiers tableaux que j'avais fait. Je leur avais envoyé un mail en disant qu'il me manquait des diamond painting, en leur donnant le numéro et la référence de ce qui me manquait. Ils m'avaient renvoyé un sachet. Donc voilà, moi je suis satisfaite de travailler, enfin de collaborer avec eux en tout cas. Donc en fait, là il y a le Black Friday, mais en ce moment du 12 au 30 novembre, et donc il y a des promos. Il y a un coupon de 10 cents sans seuil d'achat, oui, sans seuil d'achat, c'est-à-dire que si vous achetez pour 15 cents, vous avez les 10 cents de réduction. Ça va aux 300 premiers clients. Et ensuite, il y a une deuxième promo, c'est plus vous achetez et plus la promo est importante. Alors, il parle en USD la monnaie, parce que c'est des sites chinois. Donc, pour 39 USD de commande, vous avez 3 USD de promo. Pour 79, vous avez 6 USD en moins. Pour 99, vous en avez 10 en moins. Et pour 199, vous en avez 30 en moins. Sachant que les deux promos sont cumulables. Et pour toute commande de plus de 50 cents, du coup, vous avez deux cadeaux. Voilà. Donc, je vais vous montrer les produits que j'ai choisis. Alors, j'ai déjà ouvert le colis et j'ai juste regardé vite fait, mais j'ai pas ouvert. Alors, j'ai commandé deux choses. Un diamond painting comme ceci de Noël qui représente un bonhomme de neige. Alors, attendez, je cherche où est-ce qu'on l'ouvre ici. Et en plus, moi j'aime bien parce qu'ils font des choses originales. Vous allez voir après par la suite. Donc j'ai commandé un 30 par 30 comme ceci qui représente un bonhomme de neige. Voilà, j'espère que vous allez le voir. Donc ça représente un bonhomme de neige sur son petit bloc avec le village à l'intérieur, tout ça. Donc là, on a le sachet avec tous les diamants et un petit lot de... Enfin le kit classique, hein, le stylet, la gomme. Enfin c'est un genre de colle quoi qu'on met au bout du stylet et ça. Et là on a les diamants. Donc 4, 5, 6, 1, 2, 3. Apparemment, ouais, il y a six diamants différents sur celui-là. Et donc les couleurs, c'est plutôt blanc, gris. Ouais, on a un peu de marron et de orange. Et c'est tout. Bon, voilà. Ah oui, l'orange pour le nez, évidemment, du bonhomme de neige, et le marron pour le socle, vous voyez. Et après, c'est très blanc. Mais ce modèle-là, il me plaisait beaucoup. Donc, c'est un petit tableau 30 par 30. Je ne sais pas pour combien de temps j'en aurai à le faire, mais je pense que ce sera pas très très long. Vous avez à nouveau sur le côté les petites indications pour les pierres. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec les numéros des diamants painting. Voilà. Donc voilà pour le bonhomme de neige. Alors attendez, je vais essayer de le laisser là à plat, qui se déplie un peu. Et ensuite, j'ai commandé autre chose. Alors ça, c'est pour ça que je vous dis qu'ils font des choses plus originales. Déjà, c'est dans une pochette à zip, comme ça, j'aimais bien. Et en plus, hop, c'est encore un diamond painting. Alors attendez, il va falloir que je le sorte droit, je crois. Ouais. Mais c'est un petit notebook. Et du coup, ça me plaisait beaucoup l'idée d'avoir un petit carnet parce que ben, on a toujours des choses à écrire. Donc voilà, on a un petit carnet. Alors, c'est un espèce, enfin, c'est ouais, une sorte de cuir comme ça. Où dessus, vous allez voir, il y a une mosaïque tout en bleu avec des diamond painting donc à ajouter. Et à l'intérieur, ça nous fait un petit carnet de pages blanches comme ça. Ça, c'est toujours pratique pour noter des choses quand on a besoin. Alors, le carnet, il fait. Ouais, 14,5 par 20,5, donc il est quand même assez grand. Après, on peut quand même le glisser dans un sac à main, on peut le, enfin, l'emmener avec nous, voilà. Et ensuite, ici, on a donc le même kit pour mettre les diamond painting avec en plus une petite pince
comme ça en plastique là, pour attraper les diamond painting ou les plus grosses pierres, je pense. Parce que sur celui-là, j'ai vu qu'il y avait aussi des plus grosses pierres. Alors, j'essaie de vous montrer. Ah oui, c'est ça. On a des diamond painting de forme carrée, ovale. Et on en a des tout petits petits. Et on en a aussi comme on a des demi-perles. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu. Alors là, on en a des verts qui sont assez petits. Là, on a des demi-perles blanches. Ici, on a des bleus qui sont un peu plus gros, mais qui sont ronds. Ici, on a les bleus qui sont en forme d'amande, je dirais. Pareil, on en a en forme d'amande un peu plus gros. Ici, on en a encore d'autres formes. Ça fait comme une petite larme ou une petite goutte. Ici, on a encore en forme d'amande, donc en argent, en or. À nouveau en argent, on en a aussi des carrés. Voilà, c'est la première fois que je vois des diamants painting carrés. Et là, on a les ronds, mais ceux-là, ils sont tout petits, petits. Voilà. Donc voilà, je vous mettrai toutes les informations si vous voulez aller voir le site en barre d'infos. Bah moi, je suis très contente d'avoir reçu ces produits et donc je vous ferai une vidéo tuto prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.